m'appeler à ce que peuple jeunesse Port-au-Prince en réunit, yo répond à l'appel, yo réunit en masse sous place. C'est pour deux raisons. C'est pour nous dire premièrement, nous ne pas voulons dans le pays d'Haïti ou l'autre 29 novembre. Nous ne pas voulons l'autre 29 novembre répéter dans le pays d'Haïti. Nous avons que nous tous nous aider ça avec, mais nous ne pas voulons 29 novembre encore. Nous ne parlons pas 29 novembre encore. Nous ne parlons pas 29 novembre encore. Parce que 29 novembre, c'était un jour triste. Son jour tu es frère Axel ou yo. Son jour tu es un paquet innocent qui t'apprend à l'exercer droit de citoyen. Yo t'apprend à voter pour la démocratie, pour le progrès. Donc, nous-mêmes les jeunes d'Haïti, nous avons trois problèmes. Nous avons un problème d'éducation, nous avons un problème de santé, nous avons un problème l'école professionnelle pour nous faire après. Et surtout, nous avons un problème chômage. Moi-même, c'est professeur à l'université mieux. En pile là-dedans, nous ne pas connaissé à bon université parce qu'il n'y a pas de préparation en forme dans l'école secondaire et primaire. Nous pas connaissé à fin université à bon travail. Nous avons un problème. Eh bien, l'île pour ça suspendre, l'île pour les jeunes dans le pays d'Haïti, que pour les jeunes dans n'importe quel pays, l'heure de faire étude, ils connaissent le bon travail, capitaine. Nous-mêmes, nous connaissons le problème jeunesse là. Nous avons une jeunesse saine, nous avons une jeunesse qui a fait sport, une jeunesse qui est capable de faire musique, une jeunesse qui est capable de faire art, une jeunesse créative. Donc, jeunesse, c'est lui-même nous réunis aujourd'hui avec nous sous place. Sous une masse là devant kiosque, si gentil, c'est jeunesse ça. Pour l'autre bagaille encore que nous venons fêter aujourd'hui, c'est peut-être raison si là qui fait que nous tous camper ensemble là. Nous venons dire, nous solidaires avec le peuple de l'Afrique du Sud, nous solidaires avec Nelson Mandela, nous solidaires avec lutte peuple sud-africain contre la bataille. C'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti que autant de jeunes réunissent sur place. Pour on dit contre la bataille, pour on dit que avec Nelson Mandela, pour on dit avec peuple sud-africain, contre racisme, contre petit groupe blanc qui a essayé de tenir en esclavage, frère nous en Afrique du Sud. Eh bien, si nous-mêmes, nous avons manifesté solidarité nous avec peuple Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, contre racisme, contre la bataille, eh bien, je vous le dis, dans le pays d'Haïti, il y a bataille toujours. Mais je vous le dis, dans le pays d'Haïti, la majorité peuple nous, la majorité jeunesse nous, la vive, nos séries quartiers, pour ça, les bantoustans, pour tracer quartier, côté où mettez nègre, côté où mettez noir en Afrique du Sud, quartier ça, c'est dans le même quartier ça que peuple haïtien, la majorité peuple haïtien, à vivre vous ne vous dire. Nous-mêmes, nous disons non, nous ne voulons pas ça. Moi-même, je travaille avec la jeunesse en tant qu'éducateur. Et je travaille avec tout peuple haïtien en tant que défenseur droit chrétien vivant, en tant que défenseur droit monde. Et je travaille avec artistes, et je travaille avec créateurs dans le pays d'Haïti pour me faire que la culture et l'art peuple haïtien triompher. Ce n'est pas pour être rien, c'est pour raison si là qui fait rejoindre deux artistes, tant qu'on Sidé Rose, tant qu'on Lynn Michel, tant qu'on Lionel Benjamin, tant qu'on Boulot Valcourt qui est là avec nous aujourd'hui. Que le monde comme ça, en tant que chanteur, plutôt pas parler de écrivain, plutôt pour Roger Dorsainville ou bien de peintre, sorti Dieu donné ses ordres passé par un grand groupe de gars, qui dit qu'il n'a pas appuyé candidature au Sénat de l'Ouest de la République, au Sénat de zone ça n'a vivre là, pour nous capables de faire des lois pour changer le pays d'Haïti, des lois en faveur de l'intérêt du peuple pays d'Haïti. Hein.